J'attends que l'image se stabilise. Coucou. Je suis habillée de la même façon, enfin, en tout cas en dessous, puisque j'enchaîne sur la fin du dernier vlog. Comme je vous disais, je comptais partir, enfin j'y vais, hein, à Chartres notamment, Maison du Monde, Rituals, la boutique un peu bio. Et je me suis... Je n'ai pas envie d'y aller toute seule. Donc j'ai appelé ma maman. Je lui ai proposé, absolument pas. Je l'ai obligée à venir avec moi. Je sais qu'en plus, ça allait lui faire du bien. Elle n'a pas trop le moral. Et... Je sais qu'elle aime bien, surtout Maison du Monde. Donc voilà, il fait super beau. Ça serait vraiment dommage. Mais vraiment dommage de ne pas sortir. Tu restes pas chez toi avec un temps comme ça? Bah non. Ça y est, je suis arrivée. J'ai laissé ma maman dans une ou deux boutiques. Là, je vais aller dans, comme je vous dis, Rituals. Et je pense pas que je vais m'éterniser hein, là. On ira après Maison du Monde. La nouvelle collection H&M est arrivée parce que là, on est sur du noir et blanc. D'habitude, c'est beaucoup plus coloré. Le blanc? Là, on est sur. Bah si, regarde. Complètement même. Là c'est... Il y a un contre... Il y a un contre-jour de fou là. Ouais, donc Rituals. Toujours un plaisir. Ils ont pas toujours un mon baume. Hein. Ah oui, je t'avais pris ça. Bien sûr. T'es sous le charme. Tu connaissais pas Rituals? Oh, pas du tout. C'est beau hein. C'est une harmonie de... dans les couleurs. Ouais, c'est ça. Magnifique. Les fameux baumes sont elles ici. Protègent, mais lui, il y a quand même une large gamme. Ils ont aussi un peu de maquillage. La palette est belle. Hein. On fait une petite pause chez Paul pour ma maman. Évidemment, il n'y a rien pour moi. Mais c'est pas grave. C'est quoi que tu t'es pris? Ah, chaussons aux pommes. Café. Bah, elle a bien raison. Et bah, je suis très contente. J'ai trouvé déjà mon baume. J'ai pris d'autres choses. Je vous montrerai à la maison. Hein. Je parle de Rituals. Ça fait plaisir. Et puis après, bah, on va aller Maison du Monde. Bah voilà, vous l'aurez compris. Je regarde bien en l'air hein, pour tous les luminaires. C'est toi qui fais tout tomber? Maman, tu t'as cassé? Non. Bravo, bravo, bravo. On est chez Sobio, je galère. Hein. Va trouver sans gluten et sans sucre, c'est compliqué quand même. Par contre, ils ont un large choix. Hein. Je pense que je vais me prendre un truc là pour grignoter. J'ai la tête qui tourne, des petites amandes, un truc comme ça. Nous sommes le lendemain. J'ai très peu vlogué, comme vous l'avez vu. J'ai été prise de vertige à Maison du Monde, notamment. Et heureusement, parce que juste après, on allait dans le truc bio. Il fallait que je mange un truc, donc j'ai acheté de quoi grignoter. Et même sur la route du retour, j'aurais peut-être pas dû conduire, en fait. Je piquais du nez. J'ai vu que le traitement, il faut pas conduire. Enfin, vaut mieux éviter. Ça te fatigue. Bon. Et je me suis dit en rentrant, je laisse la caméra, je préfère vous montrer tout ça donc le demain, donc aujourd'hui. J'ai super bien dormi, ça me fait un grand bien, il est 11h52. Mais qu'est-ce que j'ai bien bossé ce matin. Très productive et ça fait vraiment du bien au moral. Mes achats, vu que Eric va pas tarder d'ici 5 minutes, j'ai envie de prendre le temps avec vous. On va grignoter et après je vous reprends. On n'est pas pressé, on a tout le temps, bien sûr. Gummies, gummies, gummies. Juste avant de manger. Le petit réconfort, la fille, elle a plus que ça. Hop. Ce midi, c'est haricots et puis un petit peu de dinde, curcuma. Ce matin, je me suis fait deux œufs avec du blanc de dinde. Qu'est-ce que c'est? Non, on a fait du dressage. Montre comment tu es sage. Maman, elle tape à deux. Un, deux. Tu vois, ça marche bien. Je tape deux fois et il s'assoit. Ah, ça marche bien. Peut-être faire ça plutôt. En toute sincérité. Arrêter le sucre du jour au lendemain, c'est très compliqué. Parce que là, c'est tout sucre confondu. Même les fruits, je me les interdis. J'ai mangé ça de banane quand j'ai fait ma petite crêpe au... sans gluten. C'est très compliqué. Pour l'organisme, il se passe un truc, mais je suis quand même assez fière de moi là, sur ce coup-là. J'ai tellement envie, même la pharmacienne, quand j'y suis retournée, là, vous savez, pour mon traitement, IPP, elle m'a bien dit, franchement, mais ne loupez rien, faites ça hyper, hyper sérieusement, hyper clean. Ça va être très dur pendant 15 jours, 3 semaines, mais après, vous verrez, ça va se ressentir. Quoi. Il est presque 14h. Eric est reparti au lycée. On va se poser, puis bah, je vais vous montrer un petit peu les trouvailles comme prévu. Je suis désolée de vous poser toujours ici, mais franchement, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Non, 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 non. Ah, si j'ai posé un peu la bouffe. Viens là. Stop. Alors, oh, attends, je te garde parce que il y a de la vaisselle. Donc, Maison du Monde, Rituals. Je commence par bah, la bouffe, là, le petit Sobio.
C'est ça, c'est la boutique So Bio. Comme je vous disais, j'avais une fringale et puis je voulais trouver des choses donc idéalement sans gluten, sans sucre ou sans sucre ajouté. Donc j'ai trouvé ça que j'ai déjà commandé. On en trouve hein, comme ça, Leclerc notamment, mais pas sans gluten. Donc celle-ci, il y a marqué sans gluten. Au niveau du sucre, il y a rien. Il y a quasiment rien. Et en plus, franchement, c'est très très bon. Ce que je me suis pris quand j'ai eu la fringale, donc c'était quoi? Alors, des baies de goji. J'aime beaucoup, moi, ça. Tu mets ça dans un petit laitage ou quoi. C'est assez sympa. Évidemment, ça a plein de vertus aussi. Et voilà, ça, surtout. J'ai pris des noix du Brésil. Donc, les grosses noix comme ça de macadamia. Ça, j'en ai croqué deux. Ça m'a fait vraiment du bien. Et je me suis pris des bowls. Notamment une petite bowl. Alors, il y a, moi, j'ai pris hier celle à base de canneberge et de baies d'açaï. L'açaï, on trouve ça notamment au Brésil. Sans gluten, sans sucre ajouté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de sucre, mais en tout cas, ça reste très correct. Et celui-ci, donc à base de spiruline. La spiruline qui est quand même très très bien aussi. Je crois que c'est donné ça aussi quand tu as un petit état anxieux ou dépressif. Et c'est vrai que moi, ça m'a refilé tout de suite un petit coup de boost que j'ai bien apprécié. Donc, en plus de leur délicieux petit goût, acidulé, les canneberges et les baies de goji ont un pouvoir antioxydant exceptionnel. J'ai la tête qui tourne. En plus de l'un, les Energy Balls Canneberge Baie d'Açaï est une combinaison formidable qui renforme un petit réservoir d'énergie et de vitalité adapté à tous. Voilà. On passe à Rituals. Et j'ai retrouvé, il y en avait plein, vous avez vu de toute façon, mon fameux baume qui, moi, me sert de rouge à lèvres. Je mets juste un petit contour et puis je mets ça en guise de rouge à lèvres. Ça hydrate très, très, très longtemps. C'est un rose. Moi, j'ai choisi parce qu'il y a plein de couleurs. Un rose, donc très subtil. Le boîtier est super joli. Franchement, c'est 12 euros. Enfin, c'est vraiment pas excessif. Regardez comme c'est joli, quoi. Hop, c'est celui-ci. J'ai pris également... C'est un baume pour les lèvres, mais c'est avant de se coucher, de façon à ce que mes petites lèvres soient bien hydratées au réveil. C'est à base de butter, donc voilà, de butter, vitamine E, un balme. Les packagings sont vraiment sympas en plus. Comme ça, c'est... Oh, ça sent bon. Ça sent un peu la vanille, très légèrement, parce que la vanille, ça peut être écœurant. C'est très subtil. Je vais m'en badigeonner ce soir. Ensuite, Alors ça, c'est pas pour moi. C'est un spray pour venir rafraîchir les textiles, notamment le linge, quoi. Et tu peux mettre sur les plaids. C'est une odeur qui est top. Très, très, très agréable. Dedans, il y a la fleur de lotus et du jujube. Landry Deluxe. Vous avez vu comme la boutique est magnifique. Et nous avons eu un cadeau. Franchement, très généreux. C'est la mousse de douche. De la même senteur, en fait, que ça. Donc, c'est parfait. C'est la formule relaxante. Ma maman a eu un gros coup de cœur pour cette boutique. Et vraiment, elle m'a dit waouh, c'est très beau. C'est vrai que c'est une des rares boutiques qui est très très belle au niveau de l'agencement. T'as des magasins de thé aussi qui sont sympas, mais là, Rituel, ça le fait quand même. Ensuite, nous avons, j'enchaîne. Je parle pas trop fort, il est là, il est calme. Donc il y a beaucoup de vaisselle chez Maisons du Monde. Ils étaient en restructuration. Ils vidaient toute l'ancienne collection, ils réinstallaient l'autre, ce qui fait que c'est un petit peu le bazar, mais bon. Donc une petite tasse, regardez comme elle est belle. Donc le thé ou le café, les petits cœurs, day after day with you. Est-ce que c'est mignon? Moi je dis oui. Seconde tasse, alors pareil, c'était les deux derniers modèles de cette collection. Pour celle-ci, on a un support en bois. Et voilà, rayé, j'adore. Adorable, ils font vraiment des jolis modèles. Des assiettes, et pareil, c'est pas du luxe. Je vous dis, je n'ai plus d'assiettes. Soit Jack, il passe, il me les casse, soit moi je les casse, soit. Enfin, ça s'abîme. Pire, je les perds. Alors là, comment je fais, je ne sais pas. Voilà. Donc, j'en ai pris 5. 5. Elle est belle, hein. Enfin, le motif est magnifique. Et j'ai pris une dernière collection. Ça. Parce que ça, j'en utilise beaucoup hein, pour mes plats le midi, notamment quand je fais je sais pas, du boulgour, des trucs comme ça. C'est hyper pratique. Et en plus, c'est joli.
Ouais, l'ensemble. Donc foncez si ça vous dit. Là, elles sont en promo. C'est un peu plus cher, 5,99€ celles-ci, les creuses. Donc voilà ce que je me suis trouvé hier au niveau des fringues. J'ai même pas regardé. J'étais pas dans cette optique. J'avais vraiment des choses, vous avez vu, bien précises. Mais je suis très contente. Très contente. Je vais quand même tout laver enfin, au niveau de la vaisselle. Je vais ranger un peu et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Par contre, c'est galère hein, pour enlever toutes les étiquettes. J'ai quasiment terminé, je vais les faire tremper. Bien chaude. Et ça trempe. T'es intriguée ? Ah, je me suis allongée. Mais j'ai dormi, mais profondément. C'est les croquettes de Jack qui sont tombées qui m'ont réveillée. Je fais jamais de sieste. Alors si, ou quand j'ai une migraine carabinée, mais là... Ah, ça m'a emmenée. Ça se voit d'ailleurs. Bon, bah, je vais monter. Je vais reprendre le boulot. Eric va pas tarder. Je mets basket parce que ce midi, on a décidé qu'on retournait marcher, en fait. Je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Bah là, je suis contente parce que mine de rien, je me suis un peu endormie tout à l'heure, mais j'ai quand même bossé. J'avais pas prévu de sortir ma caméra, mais regardez ce cerisier fleur. C'est hyper joli, là. On est motivé. C'est une ambiance particulière, là-dessous. T'as l'impression d'être dans un cocon de protection, non? C'est vrai. C'est impressionnant. Ouais, là, il est... Il t'enveloppe. On l'a fait. Ouais, on l'a fait, ouais. Pour une reprise, c'était sans sucre, sans carbu, je peux vous dire que c'était chaud. Une heure. On a fait les... On a monté des côtes et tout. Heureux, nous sommes donc le lendemain, vendredi. Je viens de recevoir 4 colis là pour la box, donc c'est cool. Je pense que ce week-end je vais pouvoir commencer la prod. Cet après-midi, je vais chercher. Je suis en train d'aérer la maison, tout est ouvert. Ah, c'est l'ambiance dehors. Ouais, je vais aller chercher les flyers qui doivent être prêts, je pense. Et voilà. Le moral, bah il est pas là. Hein. Ah, j'ai. Vous savez, ça me le fait assez souvent, comme si, en fait, je suis paralysée du cerveau, c'est-à-dire que j'ai plus de motivation, j'arrive à rien faire. C'est terrible, hein, terrible, alors que j'ai un taf fou. Je me dis que c'est le process qui fonctionne, qui est en place pour du mieux. Il va falloir que je vérifie quand même, que je fasse l'inventaire, que je compte, et puis que je vérifie. Hier soir, j'ai retiré tout mon vernis semis, ça m'a saoulée. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de bouts qui avaient sauté, il n'a pas tenu beaucoup. Hein. J'ai mis... Hop, pour restructurer l'ongle, c'est un soin en fait, qui va un petit peu lisser la surface et la réparer. On ne peut pas le refaire demain en tout cas. Ça y est, j'ai récupéré les flyers. C'est très joli. Je vais pas vous le montrer cette fois-ci. Non, on regarde à la surprise. Et là, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vais voir ma maman profiter un peu de son jardin. Vitamine D, tout ça, et ça va me faire du bien. Et après, je retourne à la maison pour terminer le montage de ce vlog. Je suis restée une bonne heure et demie. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, je vais repartir pour le montage. J'en profite, j'arrête maintenant ce petit vlog et on va se retrouver normalement lundi avec encore plein de trucs à vous raconter peut-être. Et je vous fais un gros bisou. Ciao.